7. 8. 3. 3. Et on termine la ligne d'eau numéro 2. Et une, donc, petit rappel, cette première série des cadeaux. Alors 100 mètres de la ligne du côté de Saint-Grégoire et de l'ESAC, il n'y aura pas de souci pour aller en demi-finale. Après on a Créteil, de 7. Libourne en ligne de 4. Voilà Saint-Grégoire qui est à 20 mètres de la ligne. Qui remporte cette deuxième série devant l'ESAC, troisième position en ligne de 7, c'est Créteil. Ensuite, on a Libourne. Auxerre, qui va prendre la cinquième place. Et puis là-haut, en ligne de 8, Quimper, qui prend donc la sixième place.
Et c'est le bateau de Saint-Grégoire qui a le meilleur chrono sur ces séries. Le bateau de Saint-Grégoire qui fait 3,52. Un bateau composé de Victor Bertret et Kylian Coche. En course actuellement la deuxième série du C2 homme cadet. Nous retrouvons en ligne 1 Baptiste Augendre, Adrien Leray de Devers, ligne 2 Thomas Caillé-Retz, Romain Henet de Saint-Laurent-Blangy, ligne 3 Mathis Deluzet, Jean-Pierre Foucault de Pontivy. Alors j'ai pas eu le temps de les présenter, mais on va faire rappeler ça tout de suite. En ligne 1, Saint-Vite, ligne 2, Boulogne, ligne 3, Annecy, ligne 4, Rouen, ligne 5, Quimper, ligne 6, Quingé, ligne 7, allez, Quimper, ligne 9, Lyon. Donc 100 mètres, moins 100 mètres et la ligne de... Allez, Quimper. Les demoiselles de Quinjou nous ont bien permis d'aller remporter cette deuxième série. Les quatre premiers sont en finale. Ligne de 6, Quinjou. Ligne de 5, Quinjou. Ligne de 5, Quinjou. Allez, Capard! Allez, Milan, les Capards! 6, 5, 7, 8. Quinjou, Quimper, Quinjou, Quinjou. Choix, Anaïs Delay de Vernon. En ligne 8 aussi, Vivonne. Et puis peut-être également en ligne 1, Mulhouse. Jafrat Katowski
On en saura un peu plus alors qu'on rentre dans les 200 derniers mètres et que les deux Léa, Coran et Jablot du club de Quimper-Cornouailles vont venir s'imposer logiquement dans cette deuxième série des cas de dames seniors 500 mètres. Et ça reste encore ouvert derrière pour la deuxième et troisième place. Pour l'instant, deuxième place, c'est la ligne de 8, Vivonne, les Pagayous, avec Nathalie Cassino et Claire Bren. Voilà, c'est fait pour Quimper. Bravo! Et troisième qui se qualifie également pour la finale pour Vernon avec. Finale B des cadets, hommes cadets dans 5 minutes. 5 minutes. C'est la Grande Normandie de Condé-sur-Vire à l'avant de cette finale C du kayak. 10 places hommes cadets. Deuxième position Quimper avec le bateau qui se trouve en ligne de 3 et en ligne de 7 Dijon. Pour l'instant également sur la même ligne que le bateau de Quimper. Alors, on va essayer de retrouver son sérieux. Condé-sur-Vire, à moins de 200 mètres de l'arrivée, qui rentre en tête pour aller remporter cette finale C. Deuxième place, Quimper, en ligne de 3. Condé-sur-Vire, deux bateaux d'avance. Et puis ça revient derrière avec Quimper, ligne de 4, Saint-Jean-de-Laune. Ligne de 6 de Cise et ligne de 7 Dijon. Voilà, pas de soucis pour la Normandie. Condé-sur-Vire qui remporte cette finale C. Deuxième place, ligne de 3 Quimper. Et la troisième place, a priori, pour la ligne de 6 de Cise. À vérifier sur l'affichage. Et dans 5 minutes, le départ des Cacatom vétérans, finale B, course 1291. Quatrième donc le bateau de Lyon. Cinquième place revient au bateau de Bonnières. Ils vont terminer ligne de 1. Les deux bordées droite. Et nous viennent du club de Quimper. Voilà, ça va être terminé pour ces jeunes. Au milieu en ligne de 5 et puis Malécroix, les Bretons. C'est pas mal. Malécroix en ligne 3 là. Qu'est-ce que Nevers va garder l'avantage? Allez Pierre-Louis, allez Mathis. C'est de Malécroix. Et puis également les.
garçons de Libourne, Nevers. Retour de Rouen et Libourne, Nevers. Je pense que oh la vache. On va pas tarder à rentrer dans les 200 derniers mètres de course et pour l'instant en tête ligne de 5, les Lyonnaises, Alice M. Lachef, allez Kemper un bateau d'avance sur Quimper et il n'y a rien de fait pour la troisième place entre Nancy avec Amandine Lott et l'autre jour, il y a des sacrifices à faire. Oui, je l'ai fait la photo.